La démarche algérienne a plaidé, je vous rappelle, je vous renvoie un peu en arrière. Quand la Libye a connu les événements qu'elle a connus, l'Algérie avait été critiquée par certains acteurs libyens pour ne pas avoir pris fait et cause pour une tendance ou une autre. Ce n'est pas entre deux pays voisins et deux peuples qui partagent tout ce qu'ils partagent, comme le peuple algérien et le peuple libyen, qu'il s'agissait de prendre parti. Il s'agissait surtout de travailler à rapprocher, de travailler à voir une solution. Et là, je vous donnerai peut-être une information que les autorités algériennes n'ont jamais rendue publique. Si vous vous souvenez, à la fête nationale de notre pays, le 1er novembre 2014, nous avions invité des responsables libyens, dont le président du Parlement et un représentant de l'autre parti. L'Algérie travaille souvent dans l'ombre. Pour la sérénité, peut-être autrement dit. Et nous avions amené nos frères libyens à signer, à paraffer, un document qui contenait des points de base d'un accord. Ce que l'Algérie a toujours défendu, c'est que les Libyens fassent prévaloir la solution politique, se retrouvent, parce qu'ils sont condamnés à se retrouver. Le peuple algérien qui a vécu lui-même une tragédie de déchirure comprend peut-être davantage que toutes ces crises doivent se terminer autour d'une retrouvaille dans la famille. Bon, nous sommes satisfaits que les efforts que nous faisons au niveau des pays voisins pour encourager chaque fois ce rapprochement, chaque fois ce pas vers la solution politique, trouvent aujourd'hui une espèce d'escabeau à travers les mesures arrêtées et vous étiez présents lorsque la déclaration a été lue et donc validée encore une fois par les quatre dirigeants libyens présents. Nous espérons maintenant qu'au mois de septembre prochain, nous aurons une loi électorale en Libye, qu'à la fin de l'année, nous aurons des élections. Sinon, s'il y a un glissement, bon, que ce soit pas un glissement, que ce soit une remise en cause.